Chers amis dans le Seigneur, mes frères et sœurs en Christ, bonjour. Ce matin, il me fait l'honneur de vous rejoindre au bord de la table afin de vous inviter à prendre avec moi une tasse café chaud spirituel. Je vous rappelle, c'est la prière matinale qui est rentrée chez vous avec votre serviteur et ami, pasteur Lazare Robinson, qui est là pour vous servir. Si Dieu m'a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh oui, quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi, même si tu ne vois que le contraire, percer les verres. Oh oui, percer les verres, percer les verres, percer les verres, percer les verres. Car sa parole, elle s'accomplira. Comme vous le savez fort bien, chaque matin, avant de prier, nous faisons toujours une petite méditation. Question de bien orienter notre cœur dans ce que nous allons faire. On dit que prier, c'est un acte de foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ouvrez avec nous votre Bible dans Actes des Apôtres 20, verset 32. La parole qui a la puissance de donner l'héritage. Et le petit thème autour duquel nous allons parler ce matin, « Mon Père m'a laissé un testament ». Cher ami dans le Seigneur, c'est à la lecture d'un testament que vous connaissez votre héritage. Dans l'Ancien Testament, les bénéfices étaient grands, mais les conditions trop restrictives. Dieu nous a donc donné un nouveau testament. Il n'est plus basé sur des lois virtuellement impossibles à suivre, mais sur la grâce, faveur que vous ne méritez pas, ne pouvez gagner et pour laquelle vous n'avez pas à travailler car elle est gratuite. Lorsque vous découvrez que votre nom est inscrit dans ce testament, lire la Bible devient une vraie source de joie. Vous commencez à dire, qu'est-ce que Dieu me donne? À quel héritage ai-je droit? Vous réalisez que votre salut, aussi glorieux soit-il, n'est que le point de départ. Soudain, l'idée d'étudier la Bible, de s'appuyer sur elle et de la citer en toutes circonstances n'apparaît plus comme un devoir, mais comme un plaisir. Quand vous priez en accord avec la parole, c'est comme si vous alliez à la banque céleste en disant « Ce chèque est à mon nom, il a été émis et signé par Christ et j'aimerais l'encaisser ». En fait, qu'est-ce qu'un testament? Un testament est un acte par lequel une personne dispose des biens qu'elle laissera en mourant. Et on dit en réalité aussi, c'est un acte qui ne produira d'effet qu'au décès du testateur. Je dois vous dire qu'il y a plusieurs types de testaments. Mais vous êtes habitué avec un testament que l'on appelle testament holographe. Le testament holographe est un testament écrit en entier, daté et signé de la main de son auteur, appelé testateur, conformément aux dispositions de l'article 970 du Code civil. Il n'est assujetti à aucune autre forme. Le testament holographe a la même force légale que le testament authentique. Tandis que le testament authentique est l'acte juridique par lequel un individu peut de son vivant organiser sa succession. Ce matin, laissez-moi vous dire
tout testament signé par celui que l'on appelle le testateur. Le testateur, c'est monde qui a mouri, hein? Avant de mourir, il est capable de gitan écrit testament pour le remettre avec monde, en quelque sorte, qui parle pour héritier bien lié, ou bien il est capable prendre un avocat pour faire déclaration ça, il est écrit, il est capable de signer, ou bien il est capable écrire un papier, il quitte le comme étant testament, bah, un avocat, ou bien bah, un membre de famille, hein? Il dit, lorsque il va mourir, eh bien, il va capable bail monde cap gagner pour héritier lien. Donc le testateur que nous parlons, très bien tout autant testateur là, il pas qu'on mourir testament, il pas qu'on en vigueur et monde ça qui c'est héritier, il pas qu'a gagner héritier, ça en quelque sorte testateur là gagne pour le bail. Mais cependant tout testateur qui existait, il a laissé des biens, il a allé au mourir et puis bien ça il a quitté au derrière. Cependant, qu'on gagne des fois, qu'on gagne des monde qui quittait, tenez bien oui, qu'on gagne des testateurs qui quittait un bien, bien au quitté, il pas arrivé jouer le monde que il était destiné avec lui. Bien le quitté yo pas arrivé jouer le monde qui était supposé recevoir yo. Pour qui ça? Parce que souvent, qu'on y a monde qui fait magouille des doyaux, qu'on y a monde tout qui prend testament, soit peut-être y'a caché ou bien chiré, qu'on y a monde qui pas remettre lui, qu'on y a monde qui font l'autre coup de malversation pour être capable d'empêcher monde qui t'a supposé héritier testament. Des fois, qu'on y a, ça qu'on arrive et tout, monde qu'on recevoir, je dirais, bien yo, parce que qu'on joue un testament, mais qu'on tout yel pour le paquet de bien, pour l'autre monde capable de prendre bien. M'prête du magaï matin qui est très important. Nous avons nous-mêmes les chrétiens un testateur non seulement qui mourit mais qu'on y a qui vivant lui pas laisser avocat qui pour défendre bien lui quitter pour nous yo mais c'est lui-même encore amen qui propre avocat qui défendre bien lui quitter pour nous yo maintenant quel que soit monde qui t'a voulu venir camper devant nous pour bien bon Dieu quitter pour nous yo tenez bien oui Jésus comme le testateur l'a campé en face mon yo d'ailleurs vous comprenez que Bible a dit dans Hébreu 7, le verset 7. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Ou qu'on qui ça, ça veut dire son texte qui est très belle. Hébreu 7, verset 7. Lorsque l'is c'est sans contredit, cela veut dire ou pas qu'a dit autrement, ou pas qu'a rouel autrement, ça dit assez salié, pas qu'on l'autre vérité, ou pas qu'a changé, ou pas qu'a fait le paraître en l'autre bagaille. Donc, c'est sans contredit. Qui ça, qui ça veut dire là, qui sans contredit, qui ça veut dire la pièce pour ne pas qu'a dit le contraire. Qui salve le dit la lui dit pièce pour ne pas capable comprendre en notre façon eh bien monde qui inférieur là les béni par le supérieur notre Dieu créateur est le supérieur moi avoir nous c'est des inférieurs nous sommes bénis hein, par le supérieur et ça qui fait que nous pas peur la vie nous pas peur circonstances c'est vrai comme étant humain des fois il y a des moments qui frappent nous très fort des moments qui fait nous souffrir des moments qui fait nous douloureux mais nous avons des provisions légales nous avons des opportunités et qui mettait nous, je dirais, nos réalités pour nous comprendre, quelles que soient circonstances qui frappent nous, nous connaissons le temporaire, parce que notre Seigneur Jésus, dans le testament que le quitté a, dans Jérémie 29, verset 11, il dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir meilleur. Donc ce testateur, il a laissé pour nous dans son testament, hein, qui est la parole de la vérité, qui est la Bible, lui fait nous comprendre, dans Jérémie 9, verset 11, là, il dit, li pa prévoit pour nous, pour nous mener une vie côté que malheur a atteint la vie nous, mais li prévoit une vie de paix. Nous devons comprendre matin, hein, même si t'as un malheur à devant, ou mettre quoi dans la paix, mon Dieu. Même si t'as un malheur à venir pour frapper, ou mettre quoi dans la paix, mon Dieu. Monde qui c'est petit, mon Dieu, la paix que nous gagnons, hein, c'est pour la paix qui est au conditionnel. La paix nous gagnons, hein, c'est pas la paix également qui est apparente, mais c'est la paix qui est réelle. On la paix que Jésus dit, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. L'homme capable d'aider dans un moment, t'as capable dire oui, dans un moment de calme. Pas dans mon différencier le calme avec la paix. On monde ca calme ou pas agité, mais il pas en paix parce que en dedans ca a bouleversé. Tenez bien ça m'amdou. Dehors ca pas bouleversé, mais en dedans li bouleversé. Cependant, bon Dieu ou bien Jésus-Christ, li ba nous la paix en dedans, li ba nous la paix dehors et dans toutes circonstances la paix là. Et puis pour qui ça le ba nous la paix ça? Pour qui ça lui quitte testament ça et puis lui fait provision de paix ça c'est pour capable ba nous un avenir meilleur. Waouh! Ou ka wè ki privilège que moi avons nous gagné. Des fois nous li verse
verset où nous tendons des versets, nous analysons, nous prions là-dedans, mais nous pas tellement focus. Nous avons focus pour comprendre. Nous avons avenir meilleur et de l'espérance. Cela veut dire, avenir, ça lui assuré dans le testament. Testament, ça le testateur nous a signé à savoir notre Seigneur Jésus. Lui fait nous comprendre, nous pas besoin de peur ça qui vient demain. Nous pas besoin de peur ça qui pour arriver. Nous pas besoin de peur qui ça qui prend le passé. Nous devons espérer que toute bagaille qui vient pour arriver, il y a pour bien non. Toute bagaille qui va venir pour passer, il y va pour bien non. Toute bagaille qui vient pour réaliser, il y va pour bien non. Waouh, quel héritage, quel testament. M'aimer biboin, m'aimer la parole de Dieu. Lorsque me lis, me sentis en dents plein. M'aimer biboin, m'aimer la parole de Dieu. Lorsque me lis, me sentis tête moins déchargée. M'aimer livre moins, m'aimer la parole de Dieu. Lorsque me lis, me sentis sans homme. M'aimer biboin, m'aimer la parole de Dieu. Lorsque me lis, la joie rentrer dans cœur, la paix rentrer dans cœur, la vie rentrer. C'est ça qui fait m'a dit au matin. Il est très important pour qu'on ait privilège que bon Dieu ba nous yo comme étant nous capable dit notre testateur, lui fait nous comprendre aussi. Lui ba nous un avenir. Attendez bien, oui, un avenir côté que nous va gagner m'ta capable dit yon vie de paix, yon paix excellente, yon paix m'ta capable dit qui va imposer que tout monde va voir. Et ça qui fait que ou même cap marche avec bon Dieu, lorsque moun attaque pour rejoindre nous, le testateur, il est toujours là pour nous défendre parce que dans son testament, il a dit dans Deutéronome 28 le verset 7, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. Mes amis, ils s'enfuiront devant toi. Ils viennent devant nos seules routes. Lorsque y a couru, gars, devant, y a couru, y a fait sept chemins. Cela veut dire, lorsque ennemis ont mis ensemble, ils font équipe pour attaquer. Ils ont devenu tête droite. Lorsque y a tourné avec tête partie. Y a tourné avec tête yo partie. Pour qui ça? Parce que le Seigneur, dans son testament, et même comme étant notre testateur, il a laissé pour nous des provisions légales. Pour nous comprendre, nous pas qu'à peur en rien. Nous pas qu'à peur à gauche. Nous pas qu'à peur à droite. Devant comme arrière. Parce que celui qui nous garde, il est là-haut. Il domine ni à gauche, ni à droite. Devant comme arrière. Parce qu'il est là-haut. Il est là-haut. Il a gardé en bas. Lorsqu'on moune en l'air, il a gardé en bas. Il domine tout ça qui est en bas. Donc, matin, hein, ou bien privilège pour me faire comprendre. Hein. Testament, ça que bon Dieu quitte pour nous. Ou bien notre Seigneur Jésus, notre testateur. Testament, ça que lui quitte pour nous. Lui, il faut nous comprendre. Pas peur, pas crainte. Ça qu'a marché avec nous, hein. Lui, plus fort que ça contre nous, hein. Nous pas besoin d'inquiéter, pas la tête nos problèmes. Il est celui qui assure notre victoire. Il est celui qui nous garde, qu'il garde notre départ. Il assure aussi notre arrivée. Cependant, ça qu'arrivait, pendant que le Seigneur a fait toute provision légale, pour le capable Kembeo, nous devons comprendre. Notre travail là, ça qu'arrivait. Gémon qui paraît mes formes tête, pas oublier. Le testateur, il est là. Ça qu'arrivait dans business là. Gémon qui fait complot contre, pas oublier. Le testateur, il est là. Ça qu'arrivait dans famille. Gémon qui fait projet pour aller. Gémon qui carrément disparaît. N'oubliez pas, le testateur, il est là. Dans le testament qu'il a laissé, il a fait pour nous des provisions légales. Tout ennemi qui vient devant nous en multitude, dans un seul chemin, lorsqu'il a couru devant nous, il a couru dans sept chemins. Cela veut dire, il a gagné, il a pris un rack, parce que ça qui a privé, il a trop pour eux. Et il y a un privilège encore. Après tout privilège, ça qu'on gagne, il y a plus de foi. Il y a un monde qui a dit carrément, ou pas qu'il doit aller dans le ciel, ou pas qu'il doit sauver, ou pas qu'il doit arriver contre bon Dieu. La Bible dit dans le testament, bon Dieu qui était pour nous, dans Apocalypse 3, le verset 8, il dit, voici, je mis devant toi une porte que personne ne pourra fermer. Tenez bien, c'est mon frère, ma soeur, pièce pour ne pas qu'à empêcher d'arriver dans le ciel. Pièce pour ne pas qu'à empêcher à rejoindre Jésus. On seul monde qui qu'a empêché, ou même seulement, sous pas d'accord, mais non, vie droite, sous pas d'accord, rester dans la présence, bon Dieu, sous pas d'accord, observer l'évangile, ou même seulement qui qu'a arrêté tout. Pas guillon aide qui charnel, pas guillon aide terrestre, pas guillon aide qu'a vivre sous la terre, qui qu'a empêché ciel, ou même seulement, sous pas d'accord, vivre en vie droite, ou pas d'accord, kimber, ranger, escamper l'évangile, ou pas d'accord, faire effort pour aller, donc ça qu'arrivait, ou comprendre, ou qu'a fait fiasco, ça qu'arrivait, il y a mal qui qu'arrivait, ça qu'arrivait, qu'a perdu, mais sous faire respect, ou être dans la ligne de l'évangile là, ou à marcher, bon Dieu, à persévérer, ou à vivre, Jean Limando, vivre là, en vérité, pas grand monde qui qu'a fermé porte ciel là pour vous. C'est ça, maître l'a dit, lui dit, lui ouvrir un porte pour vous. Pas grand monde qui qu'a fermé, donc porte ciel là, ma soeur, dégage pour rentrer, et pièce pour ne pas qu'a fermé devant, dégage mon frère pour rentrer,
pièce moun pa ka fermer devant, pas quitter la vie, faut pas rentrer, pas quitter circonstances, faut pas rentrer, pas quitter tracas tête chargée, faut pas rentrer, pas oublier notre testateur, il a signé pour nous un testament pour faire nous comprendre que vie ça que le quitter pour nous, hein? Bénédiction ça yo que le réservé pour nous, pas gagne pièce moun cap empêcher nous joindre. Donc maintenant, si t'as un monde qui campait devant pour pas arriver, dégage pour arriver parce que notre testateur, il est aussi notre avocat. Si dans ton cœur est réelle cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. Oh, oh, oh. Car ce qu'il promet, mon frère, ma soeur, n'est jamais vain. Toujours fidèle et son chemin certain, même si les choses semblent n'aboutir à rien. Persévère, oh, 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 oh. Quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. Son regard est sur ce qui lui appartient. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Jésus, notre berger, notre testateur, toi qui as travaillé pour nous laisser un testament légal et qui pourrait nous permettre de rentrer dans le ciel et qui pourrait également nous permettre de marcher sur la terre de victoire en victoire, de grâce en grâce, de paix en paix. Nous voici devant ta face, nous voici devant ton tabernacle, nous voici devant ton sanctuaire, voulant te glorifier, voulant te magnifier, voulant t'exalter, voulant te dire merci pour tout ce que tu as fait pour nous et merci pour les provisions légales que tu as décerné à notre égard, tu as décerné en notre profit. Ce matin, Père, nous estimons que son raison pour nous remercier, son raison pour nous servir. Le Père, bagaille qu'on quitte pour nous, héritage qu'on quitte pour nous, n'a vivre sous la terre. C'est pas héritage papa, maman qui a quitté pour nous, c'est seulement héritage ciel là-bas, nous. Amen. Ou fait nous comprendre, Seigneur, nous n'avons rien pour nous perdre sous la terre. Nous n'avons qu'une bagaille qui doit inquiéter, non. Même si t'as gagné vents et marées, amen, le testateur est assuré. Même si t'as gagné vents et marées, testament, testateur a quitté, Libanon, des provisions légales pour nous croire que rien n'a qu'à finir plus mal parce que dans le testament, nous avons des provisions légales. Maintenant, Père, nous disons merci, que nous glorifions, que nous exaltons. Nous avons le temps pris, s'il vous plaît. Bah, nous force à courage pour nous qu'à faire effort. Bah, nous dimensions, mettez force par dans faiblesse tout. Mettez force par dans faiblesse tout. Plus ou même, moins nous-mêmes. Plus ou même, moins nous-mêmes. Pour nous faire route là, Seigneur. Comme étant notre testateur, ou qu'on aime bien Père, Seigneur. Pour nous qu'arriver et pour nous qu'à le testament bien. Pour nous qu'à suivre testament, pour nous vivre à testament. Seigneur, merci parce que tu permets de nous passer une très bonne nuit. Et merci aussi parce que nous pouvons passer une très bonne journée. Une très bonne journée pendant que nous gardons le testateur entre nous, mais aussi nous avons le testament et nous pourrons aller vers l'avant dans la victoire éternelle. C'était avec vous, votre serviteur et ami, pasteur Lazare Robinson, responsable de l'église Maison de Dieu en Jésus-Christ. Je suis du côté de New Jersey et si vous voulez prendre contact avec nous, si vous avez besoin des conseils, ou t'as besoin aussi, je dirais, de l'aide, ou t'as me contacter comme étant un serviteur de Dieu pour m'aider, ou carrélez nous dans 862-212-95-43. N'oubliez pas, notre Seigneur, il est notre testateur. La Bible est notre testament. Alors, vivez avec notre Bible en main en regardant le testateur avec assurance. Nous praler de victoire en victoire, de grâce en grâce, de paix en paix. On persévère encore une fois, persévère.